Yes, ma 45e vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner par ici là en fait, ou à mettre un petit j'aime par là. Merci les copains. Ouh, ciao! Eh bien, salut les copains. Alors, on va partir sur de la magie traditionnelle avec des cartes normales. Il n'y aura pas de montage vidéo en fait pour celui-là. D'ailleurs, il doit être en direct du début jusqu'à la fin. Vous pourrez constater en fait que j'ai rien bougé en fait, hein, sauf ce qui va se passer devant vos yeux. Bon, je vais vous montrer là, vous avez vu, là vous avez le 8 de pique et le 6 de cœur. C'est les cartes que j'ai choisies moi-même. Et maintenant, je vais mélanger les cartes devant vous et vous allez me dire stop quand vous voulez. Évidemment, comme je n'ai pas de spectateur, je vais le faire moi-même. Sachant que vous allez voir, ce paquet quand même est assez étrange et particulier. Alors je vous montre. Vous voyez, c'est un paquet en fait où toutes les cartes sont différentes. C'est quand même assez original. Toutes les cartes sont différentes. D'accord? Alors je vais partir, commencer à mettre les cartes sur la table. Simplement comme ça. Et vous me dites stop quand vous voulez. Quand vous voulez. J'en prends deux, des fois j'en prends quatre, on s'en fout. Voilà, vous me dites stop. Stop ici. D'accord. Et bien je vais mettre le 8 de pique ici. D'accord? Et je mets toutes les cartes sur le paquet. Et on va recommencer. Allons-y. Pareil, vous me dites stop quand vous voulez. Allons-y, allons-y. Stop ici, d'accord. Eh bien, je mets le 6 de cœur ici et je mets les cartes sur le paquet. Je range tout ça. Et donc, c'est vous, enfin, c'est moi, mais vous, qui m'avez arrêté à un endroit précis et j'ai posé une carte que j'avais choisie au préalable. Regardez, si je donne toutes les cartes, votre carte, les deux cartes sont dans le paquet. On va chercher où elles sont. Et on y va tranquillement. Ah, il y en a une ici, d'accord. Donc, je prends la carte qui est à côté. Simplement. Voilà. On continue. Pardon. Voilà. Ah, voilà, regardez ici, pof, on a le 6 de cœur avec une carte à côté, ok? Et je vais bien vous montrer en fait que c'est le choix qu'il y a eu. Vraiment, toutes les cartes sont différentes, d'accord? Il n'y a pas de secret, quoi, c'est pas un mensonge. Voilà. Et ce qui est original en fait, c'est que la carte, quand vous m'avez dit stop, je l'ai mis à un endroit précis, juste à côté de celle-là et de celle-là. Et bien ce qui est rigolo en fait, c'est que celle-là, c'est la paire d'autres cartes. Vous voyez, 8 de pique, 8 de trèfle. Et ici, c'est pareil, c'est la paire. C'est vraiment un coup de chance. D'accord? Mais ce qui sera encore plus marrant, c'est que si jamais je retourne les deux cartes, ce sont exactement les mêmes. Ainsi que celle-là, regardez. Hop, voilà. Alors qu'en fait, toutes les cartes, je vous le remontre encore, sont complètement différentes. Tout. Sauf celle-là, vous avez vraiment eu de la chance de tomber en fait sur la paire de 6 et la paire de 8. Mais il y a encore plus fort en fait, les copains. C'est que toutes ces cartes différentes, hein, regardez, il n'y a pas de montage, rien du tout. Hein, si je les prends comme ça et que je les retourne, nous n'avons en fait que des valets. Ce ne sont que des valets. Vous voyez, toutes les cartes sont des valets. C'est quand même un peu foufou, non? Je vais m'approcher pour que vous voyez encore mieux. Regardez. Ah, il n'y a pas de coupure vidéo, rien, rien, rien. Regardez. Que des valets. Toutes les cartes sont des valets, sauf celle que j'avais choisie et que vous aviez positionnée dans le jeu. C'est formidable, non? Allez, merci les copains et à une prochaine. Bye bye!